Salut YouTube, salut tout le monde, nouvelle vidéo Retro Game Tech sur cette fois-ci Prehistoric Man. Voilà, Prehistoric Man, jeu de platforming qui date de 95, donc il était sorti sur Game Boy Color, non Game Boy et Super NES. Donc là c'est la version Super NES que je vais tester. C'était fait par Titus, Virgin Interactive et Interplay, hein, donc Titus, réputé pour ses jeux de platforming aléatoire, ainsi de suite. Donc la classification c'est 3 ans et plus, hein, donc jeu tout à fait normal et si jouable en solo. Donc la description: redevenez un homme des cavernes grâce à Prehistoric Man sur Super Nintendo. Toute la nourriture du village a été volée durant la nuit. En tant que héros du village, Sam, donc Prehistoric Man, doit aller chercher des os pour pouvoir échanger les contrôles de la nourriture. Vous êtes accompagné par le chef et un guide qui vous donneront des conseils, ainsi que tous les forgerons, blablabla, et l'inventeur du village. Nous fournirons des objets. En plus de sa massue, Sam peut pousser et éliminer les dinosaures en leur gueulant dessus, donc en criant. Voilà, donc on va se lancer ça tout de suite. On va aller alterner ici. Voilà, ça a foiré comme d'hab. Putain, cadre de merde. Ah putain. Ah, ça promet, hein, les vidéos. C'est génial. Du coup, sélectionner. Ah oui, t'es plus dans le cadre. Forcément. Forcément, t'es plus dans le cadre. Forcément, forcément, forcément. Et ça, on fait OK. Et voilà. Je suis nickel dans le cadre. Hop, hop. Il n'y a pas un pet de travers. C'est parti. Donc, on va se lancer ça tout de suite. Donc, deux trucs. Un mode option, un mode machin. Donc, on va choisir en français. Hein. On va le mettre en français. Hein. On va s'emmerder. Niveau difficulté facile, normal. Donc, moi, je conseillerais de le mettre en normal parce que en mode facile, vous n'allez pas avoir tout le jeu. Voilà. Vous arrêterez à un moment ou à un autre. Voilà. Menu. Début du jeu. Et on va se lancer ça. Donc il y a une touche qui permet de pousser un cri. Touche qui permet de sauter. Une touche qui permet de mettre un coup de massue. Et je sais plus le reste. Voilà, donc les dinosaures, voilà, ils vont bouffer, ils vont piquer la nourriture. Venez les enfants. Voilà. Le lendemain matin, comme d'hab, hein, la nourriture a été bouffée. Il y a plein pour le petit-déj. Alors, je sais, Sam, toute ton nourriture a été volée, bien près du village, hein. Donc on passe ça, donc voilà. Donc on vient là où on était, donc voilà, stage 1, voilà. Sam, on s'en fout, j'ai déjà joué au jeu. Alors, voilà, et il y a aussi une touche pour courir. Et une touche pour regarder en haut, en bas, parce que des fois, vous allez voir, ça va faire mal. Donc le but, c'est de collectionner, entre parenthèses, ces petits os. Mais vas-y, touche-moi. Tiens, donne-moi mes cœurs. Donne-moi mes cœurs. Voilà. 2, 3, 4. Donc oui, ces petits os qui vont vous permettre en gros d'acheter des objets, des crédits. Vas-y. Fais pas chier là. Ah bordel! Ah, c'est le bordel! On va leur gueuler dessus après. On va s'amuser. Et merde. Viens. Hein. Il m'éclate la gueule, c'est bon. Ah, tu me toucheras, bâtard. Ah, ils vont s'enlever, mes cœurs. Ah. Ah, oui. Les petites animations. Comment ils sont en train de se péter la gueule. Voilà, donc du score. Hop. Donc voilà, une touche vous permet de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Une touche qui vous permet, voilà, d'utiliser une massue, votre massue, hein, pour taper sur la gueule. Vous pouvez sauter, hein, vous pouvez faire un hurlement. Donc c'est le shoot que vous avez en haut à droite de l'écran là. C'est votre jauge de hurlement, voilà. Vous faites ça, vous pétez la gueule à tous les ennemis des alentours. Voilà. Comment on y va là? Ok. Bien, récupère un cœur. Et vous avez aussi à récupérer des petits trucs planqués à droite à gauche bonus. Donc ça vous permet d'avoir un checkpoint. Voilà. Hein. Donc le jeu est intéressant dans l'ensemble. Merde. Allez, on récupère une vie. Donc en haut à gauche vous avez vos vies. Juste à côté vous avez vos cœurs. Après vous avez les bonus que. Enfin les bonus.
les os que vous récupérez, puis la jauge de shoot qui se recharge petit à petit. Voilà. Donc arrivé à un certain moment, c'est complètement rechargé, donc je disais, vous pouvez courir. Alors par contre, soit vous les crevez en une fois, les oursons comme ça, soit vous leur sautez sur la gueule. Sachant que si vous leur sautez sur la gueule, ça vous permet d'avoir plus d'eau. Et après, voilà, chaque niveau se finit par un goal. Voilà, tout simplement. Après, il y a quelques petits boss, à droite, à gauche, des dinosaures, plus gros que les uns que les autres, hein. C'est intéressant. Voilà. Et les objets que vous récupérez vous permettent d'avoir, hop, des bonus. Donc là, il y a l'inventeur. Hop, putain, tasse. Et encore. Toi, t'es mort. Bon, c'est pas grave. On va le faire en speed. Là aussi, il y a des plateformes qui sont un peu, planquées un peu partout. Hop, 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 allez. Prends ça. Alors par contre pour la... Mince, pour la petite bande noire qui a juste en dessous du jeu, je suis désolé, je peux pas l'enlever. Ah, bien. Alors par contre, voilà, il y a des petits objets cachés un peu partout. Donc, des fois, il suffit de mettre des coups de massue pour essayer de les trouver. Tu ne mourras pas. Ah voilà. Ah blabla. Si t'arrives à faire le mot bonus, tu auras un niveau bonus, tout simplement. Donc il y a un chemin bien précis à prendre, hein, chaque direction. Hein. Voilà, ça c'est une arme qu'on peut récupérer dans les niveaux. Voilà, donc je peux en balancer. Hop, une soixantaine. Ce qui est très intéressant. Voilà, pour essayer de trouver. Où sont les objets cachés? Donc le shop, c'est là où vous achetez des trucs. Donc vous pouvez acheter des crédits, des infos ou un truc mystère. Moi perso, je garde mes os pour pouvoir, entre parenthèses, acheter des objets qui vous permettent de passer au niveau suivant en fait. Donc là, vous avez bien pu voir que je n'ai pas récupéré 4 cœurs, mais seulement 2. Mais il m'a gardé en mémoire que les autres que j'avais récupérés. Putain, enfoiré. Tiens, foutre. Allez. Donc il a gardé en mémoire ceux que j'avais récupérés. Donc du coup, ça me permet d'avoir mon nouveau cœur. Ah, et j'ai Facebook qui char. Oui, mais non, je ne peux pas te parler. Alors là, il faut lui éclater la gueule. Donc voilà. Allez, tiens, prends ça. Tiens, prends ça. C'est mort. C'est pour voir là qu'il fallait. Voilà. Dès que vous faites toucher, par contre, n'hésitez pas à tuer l'ennemi qui vous a touché. Ça vous permet de récupérer vos cœurs. Tranquillement. Allez, vite, 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 cours. Voilà, c'est bon. Ça, au moins vous êtes peinard. Allez, viens. Mette la dague. Merde. Je joue comme une merde. Ah. Putain. Alors, un lion. J'ai pas. Ah, il m'a tué. Par où faut aller? Je ne sais. Ah, il y avait un truc planqué ici. Voilà, on vient de le tuer. Dégage. Là, c'est où? Barrez-vous, bande de salauds! Voilà. On va devoir la lettre. Mystère. Là, on peut pas le choper. Alors, par contre, ne faites pas trop comme moi, hein, quand vous débutez. Sinon, vous allez crever. En mode 2. Ah, ça, c'est bon. C'est bon.
Hop. Hop, viens là-bas. Allez. On part ici, il fallait aller à gauche. Allez, on va speeder. Et on gueule comme un gros bourrin là. Allez! Allez! Viens. Allez. Ah, c'est pas grave. On récupère nos tirs. Ça c'est le boss. Voilà. Là on a récupéré la peau de léopard. Donc des fois c'est des petits objectifs comme ça, récupérer une peau de léopard, un truc comme ça, droite à gauche. Donc après il y a des inventions aussi du village, donc tel le planeur, pas mal de petits trucs comme ça. Assez marrant. Voilà, le planeur. Donc le planeur en fait c'est simple. Vous courez et vous faites ça. Donc là le but du jeu c'est récupérer un taquet de bouffe, je crois, ou un truc comme ça. Bien du style. Après c'est très simple hein, pour le diriger. Vous avez juste à vous blesser et ensuite de relever, d'appuyer sur la touche bas et puis sur la touche haut. Sachant que quand vous prenez de la vitesse, ça va très vite. Ah voilà, c'est diamant bleu qu'il faut récupérer. Si je ne me vois pas. Bon là vous pouvez mourir après pour la suite parce qu'il y aura du vide. Hein. Hop, 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 voilà une vie. Donc à la fin, il vous dit ouais, vous devez récupérer un peu plus de diamants. Il vous reste 10 diamants à trouver, 3 diamants. Donc vous devez farmer la zone comme ça. Hein. Pas plus gros hein. Niveau bête, mais marrant. Voilà, parce que ça, c'est innovant. Ça on se dit pas, ouais, on va jouer un jeu d'homme préhistorique. Ça va être la merde, rien à voir de plus, rien de moins. Voilà. Et où allez-vous là? Vous avez pas pied, véhicule, donc là. Alors, on va vendre de 15 diamants. Vous n'avez que 14 diamants. Donc, du coup, il nous en faut un dernier. Et il est là. Voilà. Après, vous pouvez faire toujours le niveau. Hein, juste pour récupérer. Les petits objets hein, pour pouvoir vous faire du high score, hein, pas mal de trucs comme ça, tout simplement. Enfin, moi je le fais pas parce que voilà, je connais à peu près le truc, hein, je suis pas là pour faire du score, hein. Voilà, tout simplement. Donc à la fin, vous avez toujours votre rendu avec le nombre de vies que vous avez bouffé, etc. ainsi de suite. Le temps que vous avez passé, tout le bordel. Donc là, le but du jeu c'est de récupérer les 3 morceaux. Donc, moi, vu que je suis sympa. Je vais vous épargner ça. En fait, faut récupérer 3 diamants. Et là, il devait avoir un truc caché. Alors, on va aller par là. Voilà, avec la super tête. Hop. Voilà, il y a. Voilà. Et là, il doit avoir le shop. Qui tu pars par là. Allez. Donc après, les musiques sont assez rigolotes, je trouve. Pour l'époque. Ah merde, on a peut-être pas dû faire ça. Putain de bestiole! Alors, il est où ce shop? Et il y a. Le shop est ici, je vais vous acheter Go Level, qui va me permettre de passer au niveau suivant. Je connais, c'est sans cesse, saloperie. Donc on va continuer. Alors, on va aller récupérer quelques os qui nous manquent pour pouvoir passer ce niveau. Oh merde! Et je suis mort. Et je suis mouru. Ce n'est point grave. Par ici. Voilà. Oui, ouais. Donc il va y avoir des petits mecs à farmer ici. Là. Voilà,
2 os. Voilà, donc ça coûte 100 os. Si vous voulez passer au niveau suivant, sans vous prendre la tête, vas-y, tue-moi. Ah, je t'explose la tête. À la foutre, moi. Voilà. Voilà. Ça en fait 4 de plus. 5 de plus. Allez, vas-y, touche pas toi. Allez, hop. Hop. Nice. 2, 3, 4, 1. Voilà. Ah, par contre, vous pouvez sauter à une hauteur pas possible hein, aussi, hein, vous perdez pas de vie. Hein. Donc là, on va le passer ce niveau. Ok. Bon, je reviens tout de suite. Ah, c'est bon? Ah, d'accord. Je croyais qu'il fallait l'ouvrir. Bon, là, je reste ici en fait. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez aller dans divers endroits. Là maintenant que j'ai mes 100 os, je vais pouvoir finir ce niveau. Et ouais. Voilà, je vais pouvoir acheter mon go level hein, sans me gourer à pas acheter crédit. Mais dans le cul. À la nouvelle destination. Et là je sors et je vais pouvoir passer au niveau suivant. Sans m'emmerder. Voilà. Tout simplement. Allo, allez, ça machin blablabla. Voilà. Donc, les lumières. Donc, dans ce niveau-là, vous devrez trouver aussi. Voilà. Tiens, on sort la gueule. Hop. Ah, je me casse la gueule. Je tombe. Ah, ah, putain. Bonjour Olivier! Tiens, viens avec toi! Ça, tu connais? Oui. Story Man! Allez! Ah! Je viens de mourir! Et je viens de mourir! Bon, on va essayer de faire ce niveau-là, après on va arrêter là. Je pense que ce sera déjà pas mal pour vous donner une idée du jeu. Je vais pas vous spoiler le jeu non plus, hein. Je suis pas là pour faire du spoil hein, ou quoi que ce soit. Alors, tenez, il se passe. Voilà ça. Les super musiques de Bamako, les musiques de Bamako, hein, c'est super musique dans le games. Ah, allez, touche-moi, toi, t'es mort. Toi aussi, oh, allez, calme ça. Alors, eux, on peut leur péter la gueule, donc eux, c'est les simples, c'est pas ceux qui gonflent. Vous verrez par la suite quand vous y jouerez, vous aurez des. Eh merde, je vais crever aussi. Ouais, vous verrez, vous aurez les mêmes dinosaures, mais un peu plus chiant à déglinguer. Voilà, genre comme ça. Voilà, ceux-là, ils sont un peu plus complexes à déglinguer parce qu'il faut leur exploser la gueule. Bon. Ouais. Alors, il fallait récupérer cet objet que j'avais chopé. C'est un des mecs de votre village qui vous a dit. Voilà, récupérez-moi ça, hein. C'est une sorte de corne de brume ou je sais pas trop quoi. Un truc du style. Donc voilà. Après, le jeu est, comme je dis, est très sympa. Il est assez marrant. Ah, je ne l'ai plus. Ah bah, du coup, bah, j'ai déjà récupéré. Non, si, il faut que je récupère. Non. Ah. Allez, tiens, dégage. Et voilà. Et donc là, faut lui apporter à lui. Voilà. Et donc là, nous avons fini le niveau. Donc voilà, donc je ne vais pas vous spoiler plus le jeu, hein. N'hésitez pas à aller jouer, hein. Si vous ne l'avez pas, achetez-le, moi je l'avais acheté à l'époque, donc sur Super NES, donc il est vraiment sympathique, voilà. Niveau à la con, voilà, où il fallait grimper aux lianes, voilà, donc c'était Retro Gaming Test sur Prehistoric Man sur Super NES, n'hésitez pas à liker, partager, commenter mes vidéos, laisser un commentaire, un pouce vert, partagez, parlez-en à vos amis si ça vous intéresse, voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos ou les prochains qui regarderont mes vidéos. Voilà, et j'espère que le concept vous plaît toujours, ainsi de suite, pour ceux qui, les nouveaux qui arrivent,
que ça vous plaît, et pour les anciens, que ça vous plaît toujours, voilà, donc j'essaie de diversifier un maximum. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, bonne journée, bonne soirée, bon déjeuner pour ceux qui regardent cette vidéo au moment voulu, voilà. Et je vous dis fait plein de bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo sur un rétro gaming ou un gaming normal. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous.